Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4 avec mon camarade Serikai. Bonjour les gens. Salut tout le monde. Allez hop, on reprend la partie. Moi j'étais en train d'essayer d'attendre ma paix là pour défoncer l'autre. On étudie les différentes stratégies pour violer le rosbif. Et d'ailleurs, tiens, explique-leur ce qui se passe avec le rosbif pendant que moi je fais une muse ici. Eh ben, il se trouve qu'il a déjà... Ah, ça y est, il a fondé le Nessulme. C'est bon, il a fondé sa colonie. Ah! Parce que juste au moment de la pause, en fait, quand on met fin de partie, on fait une petite pause, on discute un peu. Et on regardait, on dit putain, mais on compte les provinces, mais merde, il n'avait pas fondé de nation coloniale. Donc voilà, ça, il y a la nation coloniale. Moi, je finis de défoncer celui-là. Après, niveau danger, j'ai plus rien qui est dangereux. Il va où, lui? Il va au Xaoma? Sais pas où il va. Genre de guerre sur des territoires là con, on peut se poursuivre pendant des années. Je vais commencer par faire du claim sur les sauvages qui sont à côté, là, les deux petits machins. Athanoton et Acerbaïmec, là. C'est des trucs à la con. Comme ça, une fois que ce sera fait, je me serai débarrassé de cela et je pourrai m'occuper du Rosbif et son Nessulme, là. Ah, je sais pourquoi peut-être ça me coûte cher. Bah non, c'est une forteresse niveau 1. C'est une capitale. Ouais, et puis même si je suis à découvert, je m'en bats les couilles. Je vais aller les défoncer, ces PD. C'est des bâtards, je vais les niquer. Arrête de parler comme ça, on dirait un STMG, c'est très désagréable. À Un quoi? STMG. Ça veut dire quoi d'ailleurs quand tu m'en parles de ces crétins, c'est quoi Alors, les SMG? STMG, toi, c'est des classes que. Faut pas le dire, mais bon, c'est des classes poubelles, c'est des filières de. C'est des filières poubelles où on range en gros tous ceux qui n'ont pas été acceptés en général. Surtout les Ah, mecs. les anciennes STT. Non, c'est encore pire parce que STMG, c'est-à-dire science et technologie du management et de la gestion. C'est-à-dire que ces connards deviennent finalement des managers. Ah d'accord, oui, c'est le propos d'un manager d'être un sale connard. Hein. Ouais. Donc en fait, oui, il faut. Tu vois, c'est les petits déchets sociaux qui sont mis là-bas. Et ils sont aussi agréables qu'un coup de pied dans les couilles. Ah putain, j'ai pris un prêt. Bon, je vais le défoncer là, les autres, je les ai retrouvés. Ah, vérité, je vais les niquer. Allez, l'autre là, il arrive, je vais lui tomber dessus. Voilà, t'es arrivé, t'as loqué ton armée, t'as 9 000 hommes. J'en ai 16 000. Ouh! Il y a un putain d'orage chez moi, c'est un truc interdit au moins de 30 ans. Oh, moi ça c'est calme. C'est cet après-midi qu'il y a de l'orage. 12 juillet, 7 juillet, ouais, je vais les défoncer. 1607. Voilà, je les défonce. En fait, j'ai pris la politique qui me permet d'avoir plus... plus 20 de colons chaque... plus 20 de colons. Chaque semaine? Non, à chaque fois. Chaque année, tu vois. C'est que je suis à plus 150 par an. 150 par an, tu vois, pour la colonisation. Où est-ce qu'on le voit ça déjà dans l'onglet colo. Non, dans quel onglet j'en vois Quand ça? tu sélectionnes une de tes colonies, tu vois spread la vitesse de colonisation. Je suis à plus 130 pour l'instant. Est-ce que mes estates, est-ce que les cubénis. C'est ça les cubénis, hein, si vous Non. comprenez pas, c'est le clergé. Voilà, establish new world mission. J'ai perdu l'autre, il m'a. Ah ouais, c'est vrai qu'il m'avait fait une diplomatique insulte, le Fernand Pab. Ben là, il disait, mais pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? C'est ça. Non, si t'étais mon voisin, je te rassure. Ah, c'est parce que je suis Je suis différent que tu me dé. détestes. Non, non, c'est juste parce que tu existes. C'est le dé. C'est le DG. C'est quoi le DG? Délite sale gueule. Ah, mais c'est ça, je suis différent. Mais non. T'as une sale gueule, c'est tout. Y a rien qu'on. Ce serait bien par contre qu'il accepte la paix, ce connard là-haut, mon putain. Mille six cent cinq, ok.
Mais tu me donnes cette putain de province, espèce de connard. Délicatesse face au Macintor. Ah ouais, mais grave quoi. Tiens. Toi, t'as décidé sur ma petite île là-bas, je vais te défoncer. Il va à Ganitech, c'est breton ça, à tous les coups. Ouais, qui ont pareil. Pourquoi c'est des alcooliques là-bas, tu connais? Non mais je connais bien la Bretagne. Par contre, moi, l'avantage que j'ai par rapport à lui. En fait, j'aimerais tellement pouvoir devenir tributaire de l'Empire Ming, comme ça ben, les Européens ne casseraient pas les pieds à m'envahir. Ouais, grave. Helming, faut qu'on te cause là. Voilà, ça y est, je l'ai intercepté, l'autre, marche forcée. Voilà, et Dieu crée la marche forcée. Donc nous disions donc, je veux faire la paix avec toi, je veux toutes tes provinces, tous tes territoires, ta femme et tout. Et tiens, vas-y, c'est cadeau. Voilà, t'as pris le pognon? Ok. Voilà. 25. Je sais pas si on peut parler de pognon. T'as gratté les fonds de tiroir, ouais. Ah, grave. Un autre pécor là. Donne-moi tes provinces 99. Ok. Voilà. Ah! Putain, l'autre tueur qui va, il va popper où? Il va faire où ces rebelles à la con? Ah, il va aller. Putain, je vais me taper des séparatistes à Morphicole. Là. Ah J'en ai oui. pour 10 ans avant d'arriver là-bas, quoi. À moins qu'ils se bougent. Ah non, ils restent là, ces connards. Oh, les fils de chien. Ah! Donc là, on met ça. Les Par contre, colonies. Pierre Touillot, ton voisin, il a quand même bien grossi, l'enculé. Oui, mais c'est du gros, mais c'est du petit, quoi. Il est tout seul, en fait. Il avait. C'est le seul contre-pouvoir par rapport à moi, quoi. Ah ouais. Donc. Et surtout, le problème qu'il a, Pizzarcuyo, c'est qu'il est niveau. Ah non, il est quand même niveau technologique 10 en militaire. Et Pizzarcuyo. Pizzacuyo. Pizza mes couilles. Pizzartout, il a 10 000 hommes, 13 000 maximum. Donc, comment dire? Mais je crois qu'il y a des alliés. Et puis voilà, là, je gère vite fait mes trucs. T'as moins 20 de production sur toutes mes provinces, mais va te faire voir l'event. Mais pourquoi ça tombe en cascade sur moi? Oh, l'Empire de Chine sans de mandat. Et toutes les réformes passées, le C'est en mec, hein. fait. En 1600, toutes les réformes, c'est bon. Putain, ah, j'ai même pas percuté quoi. Pourquoi il veut pas qu'on aide son tributaire? Stratégique intérêt, attends, l'autre a un pied dans le nouveau monde. On va te donner des thunes. Voilà, je vais défoncer les séparatistes parce que de le dire. Lui, la cavalerie, le temps qu'il arrive, la guerre sera finie. On va retourner par là-bas. Ouais, mais c'est que il L'entretien. sait même pas qu'on existe, le mec. Ah bah attends, on va débarquer avec nos 850 000 hommes. Tu parles. C'est l'anglais qui va nous débarquer sur la tronche avec 150 000 hommes. Ce qui est chiant, c'est aussi, c'est le problème qu'on a, c'est la taille de nos territoires. C'est que si l'Anglais débarque. Le temps qu'on bouge. Parce qu'on n'a pas le Ouais, tu luxe m'étonnes. d'avoir 10 armées qui sont prêtes. Hein. Ni même les territoires à pour défendre, C'est quoi. ça. Moi, ça, je m'en serais bien sorti de cette guerre. Hein. J'ai perdu à peu près 1 000 hommes de. 1 000 hommes. Oh putain, on perd 10 de république. De traditionnelle république. De république. Enfin bref, t'as compris ce que je De voulais dire. tradition républicaine. Voilà, merci. J'ai du mal avec les mots compliqués, moi. À ton avis, elle a combien aujourd'hui la tradition républicaine en France? Ouf. Ouf. Hop. Le problème, c'est qu'il y en a qui disent, ouais, ben, la République, c'est pas terrible, mais bon, un roi, oh non, que dalle. Oh, t'as le choix entre la lèpre et le choléra, quoi. L'avantage, c'est que théoriquement, en président, c'est que si c'est un gros con, on peut dire, eh, va te faire téter les yeux, espèce de C'est ça. bâtard. En fait, dans la réalité, allez tous vous faire niquer, bande de PD, quoi. Je vous en fumez, vous avez rien vu venir, quoi. Je sais plus qui c'est qui faisait des vidéos, là. J'ai vu une vidéo hein, qui était pas mal. L'autre jour, je regardais sur Raptor Dissident, qui a liké une vidéo où il clash Alain Soral. C'est beau, ce clash. Et ensuite, l'autre que j'ai vu, c'est, je me rappelle plus du nom des mecs, qui fait des vidéos où il explique comment être élu président de la République. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. Il explique Macron, en fait, comme il disait concrètement, je vais vous spoiler la version très rapide.
C'est entre guillemets, vous avez du bol, faut quand même avoir un peu de bol. Hein. Vous bossez dans une banque avec des mecs qui sont pété thunes, qui détiennent les journaux. Vous présentez aux élections, c'est vraiment le mode avance rapide. Vous présentez aux élections. Il vous fait une super pub, vous êtes le mec bien, c'est le renouveau, c'est le changement, patati patata. Bilan, le de Front National, vous le dédiabolisez parce que le Front National a des bonnes idées, patati patata. Pendant ce temps-là, vous sabordez Fillon et l'autre abruti pas de Hollande, mais bon, quand on passe à Hollande, de toute façon, le PS était mort. C'est sûr. Il dit comme ça, vous vous retrouvez qu'un deuxième tour, Macron-Le Pen, et ensuite vous dites, mais Le Pen, c'est le Front National, oh là là, mais le Front National, c'est des nazis, faut pas voter pour lui, votez. Et comme d'habitude, on vote pas pour un candidat en France, mais on vote contre un autre, et paf, vous avez Macron président. Et après, non, mais on s'est trop fait enculer. Ouais, les Hein, gars. les gars, vous aimez la sodomie, faut assumer. Moi, j'aime pas, c'est pour ça que j'aime pas me faire enculer. Moi, ça me gêne pas. Oh, mais je suis choqué. Tant quand tu lis des mangas, des trucs comme ça. Ah moi je dis, tant qu'il y a du plaisir, c'est bon. Il n'a pas de plaisir. Ouais, c'est 20 premiers centimètres qui font mal, pareil. Tu veux pas savoir, t'as jamais essayé? Faut que à Bon, bah l'armée, justement, à l'armée, tu sais. il n'y a pas de PD, il n'y a que des hommes qui s'aiment. D'où le il paraît dans mes propos. Novembre 1606, le mec je l'envahis là, lui et son pote à la con là, je leur fais du blé sur leur tronche, je les déboîte, je les pulvérise. Il va leur faire un coup de tu me vois plus. J'ai qu'une colonie, je suis en train d'envoyer, je crois, un colon. Ah non, c'est bon, j'ai deux colonies, donc d'un coup, je suis grave déficitaire. Enfin, grave déficitaire. C'est pas grave. Mais fous ma gueule cet enculé là, je vais du tous les prêts, j'étais en positif, elle me dit, oh t'as pris un nouveau prêt. Va te faire foutre le jeu. Va juste te faire foutre. Pour ta gueule. Oh, ça pète bien là. Ouais. Et tous Ah mourir. merde, j'ai oublié le Portugal. Là. Le Portugal a fait la paix, mais ils existent encore le Portugal? Donc le Portugal, si ils ont encore, ben si ils ont encore Madère. Bon, ils ont, oh, il est gentil le. L'Aragon? Madère, les Açores et ouais, l'Aragon, il lui a rien pris. Putain. Il a dit, t'es un pays de merde, tu bouffes que du poisson. En même temps, on va encore dire que c'est des blagues racistes, mais. Ah, Honduras qui est devenu une colonie autonome. Bien, on va aller se mettre ici. Étudions, étudions. Ah, Que produit le je leur rends le Portugal? Portugal qu'il a rien Donc. perdu parce qu'en fait, Aragon lui a juste dit tu pètes ton UP avec la Castille. Alors que la Castille était déjà à 100% Ah, de il est chute de gentil. guerre, mais bon, enfin de se barrer. Bon, la légende comme quoi les Portugais bouffent que du poisson, c'est faux en fait. Ils bouffent de la canne à sucre et du poisson qui picolent pour oublier leur pays. Et ils bouffent du poisson quand même. Ça reste des Portugais, hein, merde. Hop, ça, c'est goutte. J'ai encore pour 42 putains d'années à rembourser ma corruption. Oh! Putain. À un par an, voilà. T'as une trousse avec le roast beef ou pas Oui, j'en là? ai Enfin avec une, sa colonie, je veux heureusement. dire. Ouais, pas avec le. Je veux pas dire l'anglais, ouais, sa colonie. Hop, j'ai fait une conversion. On va Corée, Ebi. Ebi, dis donc. C'est bon, je suis repassé positif niveau pépette. Là, on va rechanger de président. Je vais changer le mien Comment aussi, tu vas dire? voir. Hop, militaire niveau 15. Ah, faut que je pense à fabriquer des claims chez lui. Pizar Tuto. Et Pizar Tuto, il a deux alliés par contre. Qui sont Gazamondou et Kyelechu. Qui sont du. Kyolachou qui est en train de se taper des putains de rebelles, j'ai l'impression. Pizar Tuto, t'es où?
Ouais, c'est un OPM ou un truc à la con là. Oh, discipline plus 5%, mon chef. Pas mal. Toi, j'essaie de te garder. A écrit salle de bohème. Deux, 3, 6, 7, 1, 2, 4, 6, 7. Voilà, l'armée, elle est bien. Ah, en plus, je vais pouvoir monter aussi mon armée en taille. Ah oui, trois régiments. Je sais pas combien de bénéfices, plus 176. Ok, mon armée unique, elle est où elle? Elle est là-bas. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un multi dégâts pour m'amuser un petit peu en Asie. Ça, tu vois les tribus mandchoues là, celles qui sont au nord du Ming. Ouais, jonctionner toute la Ouais, clique, ben, ouais. tout. Au bout de 5 ans, en 1449, c'est bon, le mandchou formé. J'étais tracé comme un porc. Non, in subtique, putain, hasard. J'ai des rebelles qui pop, à subtique, ça va être où? Ça va être à l'autre bout du monde. Oh, c'est subtil ça. Subtique. Ah non, ça va, c'est pas trop loin. J'ai honte. J'ai rien dit. Ah mais j'ai honte de la blague, j'ai dit c'est subtil. Oh, mais c'est nul. Ouais, je sais. Mais après on te connaît, hein. Si des gens ne connaissaient pas, je dis pas, mais ils te connaissent, donc ça va, c'est pas trop grave. Encore 3 putains d'années à attendre pour faire la guerre. Donc, notre armée est arrivée. Ah oui, mais ça, c'est ouais, c'est mon armée de renfort. Global trade, bon, c'est pas chez nous. Ouais, non. Alors où est-ce qu'il est apparu le Pas global niveau trade? technologie. Global Trade, faut quoi déjà pour le développer, C'est à lui? Naples. Ouais, mais je crois que Global Trade, les trois du fond, elles se développent très vite. Le Global Trade, pour le développer, il faut quoi? Il faut un marché ou la printing press ou un stock exchange. Ouais, donc ok, c'est bon. Un provincial trade port, en fait. Province trade power atlas. Oh, d'accord. 45, ouais, ok. Une nouvelle technologie, on prend avant que ce soit trop cher. Oh putain, j'étais très sûr à me les faire avant qu'ils aient le temps de faire quelque chose, les rebelles. Oh, ça classe. Et puis après, je peux retourner à la province. Eh, j'aurais voulu la choisir, je viens de percuter sur le nom. Alors regardez sur mon écran, ceux qui ne voient pas. La province, pour toi, Sirikai, et ceux qui regardent la chaîne de Sirikai, c'est pute lag. C'est où cette connerie, pute lag? Oh putain, la Pute lag, voilà. tu vois, mais. Oh Ah bah oui, Oh putain, oui, entre c'est le mot de pute, j'ai envie de Putelag, dire. entre la province qui s'appelle, je crois, Bretagne, entre la province qui s'appelle Belgique ou un truc comme Belgium. Belgium, là quand même. Un pan de Putelag, province et tout, hop. Ah! L'Angleterre a voulu déclarer la guerre aux différentes colonies. Tu sais, les petites conneries de colonies là. Tu sais, c'est qu'ils m'ont tellement cassé les couilles plusieurs fois là. Ouais. Bah, ils sont en guerre contre la Grande-Bretagne. Ouais, mais ils vont se faire casser le fion. Ouais, je m'en fous et bon, ça va épuiser un petit peu tout le monde. Moi, je m'en tape. Pff, ouais. Ah, le British Nessum. C'est British Nessum ou pas? Parce que s'ils déclarent la guerre au British Nessum. Non, c'est la Ah Grande-Bretagne. ouais, t'attends. Ah oui, je vois ce que tu as. Prochain, dit. Tiens, si on pense ça, j'ai peut-être augmenté mes relations avec toi. Ouais, plus 183, on va quand même les augmenter. En plus, vu qu'on est loin l'un de l'autre. On se. Comment dire? On se. Increase tax income. Là. Taxe. Toujours. Toujours les taxes. Ah, le tingling de fin d'épisode.
Donc voilà. Ça a des esthètes qui demandent des provinces. Les burgers. Les hamburgers? Je sais, je la fais à chaque fois. Ben, 1, 2, 1, c'est très bien ça pour le. Voilà. Et voilà. C'est le ding-ding de fin d'épisode. Voilà. Donc on va s'arrêter là, les gens. Hein, on vous dit, je regarde vite fait. Ça, je l'ai déjà fait. Ouais, les burgers. Grand New World Charter. Voilà. On va s'arrêter là. On vous dit donc bye bye. Et à demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le Salut monde! les gens!